Et bonjour. Et bonjour. Voilà, voilà, donc c'est la maison comme ça. En tout cas, la position me plaît. Super. J'aime bien la position. Effectivement, c'est pas loin du goudron, juste un carré du goudron. Ouais, ouais, ouais. Bon, ce qu'on va faire, on va l'entrer visiter. D'accord. Et si la maison me plaît, je la prends. D'accord, on y va. On y va. Ok. Ouais, ouais. Ça ouais. va, c'est du bon? Non, c'est propre. Tu la, savais. La maison me plaît. Je savais que tu allais prendre. Alors, donc, je décide de la prendre. Super. Okay, alors, pour confirmer, je te donne une avance pour ne pas que tu donnes la maison à une autre personne. Mais faut te dépêcher pour venir payer le reste. Hein. Tu sais qu'à Ouaga, maison ne tue pas. Ça sort vite. Ok. Et c'est tout cas déjà les conditions? Les conditions, c'était 3 mois de caution, 3 mois de loyer et 1 mois de loyer comme commission pour moi en tant que démarcheur. Ah, Joe! Non, toi tu es vilain. C'est abusé. Conformément à la loi, c'est 2 mois d'avance et 1 mois de loyer. Voilà, c'est ça. Et puis ta commission là, c'est 50%. C'est le décret voté par le gouvernement. C'est la loi et puis le gouvernement qui construit une maison là pour les bailleurs là. Mon gars. Le bailleur te dira que c'est pas le gouvernement qui construit sa maison. Donc il fixe ses conditions comme il veut et quand il veut. Effectivement. Donc, moi en tant que démarcheur, si je n'étais pas là, tu n'allais pas avoir la maison. Donc tu payes ma commission pour les 1 mois de loyer ou pas? C'est tous. Ok, je suis obligé. Parce que dans ce pays, on parle trop. Ok. D'accord. Non, juste une avance. Ça marche. Donc dépêchez-vous. Voilà. Et commission de 2000 de visite là. Je ne peux pas laisser ça. Jamais. Même s'il va prendre là. Je vais continuer pour que je puisse avoir les 2000 de visites. C'est un client même qui m'appelle comme ça. Oui, allô? Oui, c'est moi le démarcheur. Non, la maison n'a pas été prise. C'est tout disponible. Ok, c'est... Voilà, vous prenez le goudron tout droit. Ok, à tout à l'heure. aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Bonjour monsieur, c'est vous le démarcheur que j'ai... Oui, bonjour, c'est moi. Ayemi, attends. S'il te plaît ma chérie. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Chuchu Bachu. Moi c'est Dorcas. Moi je travaille en tant qu'entrepreneur expert immobilier. C'est pas toi qui m'as dragué la semaine passée là me disant que tu es entrepreneur expert dans l'immobilier. Comment ça se fait que tu sois démarcheur? Aïe, mais je t'ai pas menti. Effectivement, c'est la vérité. Je suis entrepreneur expert dans l'immobilier. C'est pareil que démarcheur. Ah non, c'est pas vrai. Monsieur, c'est ça qu'on appelle usurpation d'identité là. Si tu es démarcheur là, faut dire que tu es démarcheur. S'il y a quoi, à dire que tu es entrepreneur, je sais pas quoi. Mon gars. Madame, dans notre jargon là, c'est comme ça qu'on s'appelle. Voilà. C'est un gros français, hein. Nous on a évolué. Nous on est plus dans démarcheur. On est maintenant expert dans l'immobilier. Donc c'est gros français que j'ai parlé. C'est parce que tu n'as pas compris gros français là. Sinon c'est pareil. Voilà, j'ai appelé les choses par les noms. Bref, tu es venu pour la maison là, viens, on va visiter. C'est bon, pour la maison la même folie. C'est parce que toi tu es une personne louche. Je peux pas faire des affaires avec toi. Si tu peux être démarcheur et puis mentir que tu es entrepreneur expert dans l'immobilier là, c'est que tu peux faire pire que ça. C'est quand même vrai. Bonjour, monsieur. C'est bien sûr. Moi, je suis honnête. Voilà. Il t'a dit la vérité. Je suis un entrepreneur expert dans l'immobilier. C'est mon expertise là qui t'a envoyé vers moi pour trouver mes gens. C'est moi qui t'ai menti. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés.